Sobrane mamu mamorata bayatu egalo megala bayatu egalo masale baburatu barate badadu 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 badeyese indala mayenderere indala mayemandela baderere ora mera
barabe barate barate egalaba yede dede 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 egalaba yede dede robo silabaya eriyalama yema rate baratabu egalaba yeka dabaya tabado egalaba yeka dabaya tabado bade badabado badado badado bade aleluya masopro riyalaba egelelelele dede 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 etalalandere dede 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 Yo mandale babura baya te baya egalabaye kalabaya tagabaya dedere egalabaye deborobo shilabaya dedere eriama yo mandalabaya deborobo eriama ye kadubara tabadu egalabaye kedegede kadabuda de gamadu baya dia Jehovah Makades Jehovah Shalom Jehovah Nisi El Shaddai to masuprade gabalatu baraba Alpha and Omega Eliyalamaya deborobo totombolio totumisio masopro liyalamaya de netola malibela na libela masopra de barubaya de Eliyalamayo Eliyalamaya deborobo shiraba dererere Eliyalamayo mare mamo mama mama yo Ekalobaya de kadadu Ekalo barati kabado bayati bayatu 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 bayati beribi tokumba belio oza sabe mususu lokola yo azanite tokumba belio masubarene egelele egelele nakumba belio ondio monwa masubare tabarate badea ekalabaye kalabayatu borobo shirere egelele 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 erialabayo marate kabaladu Hallelujah, my soul, the world, the world, Yope kota na adoration. Kanga ba telephone, kanga distraction yoso. Landa biso na kati adoration yoyo. Aske Yesu Masia azo visite yo na ndaku na yo na kutu yale. Isika uzali yozo landa biso. E mabo shala baya nebelebe. Ege le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 l
Notre Créateur, nous t'adorons. Notre Sauveur, nous t'adorons. Notre Guérisant, nous t'adorons. Notre Paix, notre Joie, notre Vie. C'est toi qui es tout pour nous. Il est écrit dans les Saintes Écritures. En toi nous vivons. En toi nous mouvons. En toi nous avons notre être. En ce moment nous venons devant toi. Bénis-nous par ta présence. Et sois contrôle absolu. Et prends le contrôle absolu. Bénis tous les téléspectateurs qui me suivent. Partout ils sont sous ce soleil. Cette présence na yo ezipa. Présence na yo et inonde sikawana. Que ta présence inonde partout ils sont. Et de notre part nous jurons de notre part. Dès que nous entrons dans les Écritures, parle-nous. Par ton Saint-Esprit. Merci Papa. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bandeko. Bien aimé. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir encore, je suis venu. Dès que j'avais fait promesse le mardi, que je serai en live jeudi à 20h. Et jeudi à 20h. Je sais que nombreuses personnes ne sont pas au courant. Dès que nous continuons, réponds la nouvelle. Que Papa. Et papa as en live, et en live mardi, le mardi, jeudi, et jeudi, et samedi. Je ne sais pas si nous allons délocaliser ces temps. Jusqu'à samedi, mais jusqu'à samedi, c'est toujours à 20h. Nous avons déjà lancé l'image depuis avant 20h. Lançons l'image avant 20h. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle. Une nouvelle si bonne. J'aime mon appel évangile, la bonne nouvelle et non la mauvaise. Et cette bonne nouvelle te fera du bien ce soir. Surtout en ces temps de pandémie que le monde traverse. On a besoin. Sango malamu, la bonne nouvelle. Nous avons besoin de la bonne nouvelle, comme le dit. Alléluia. J'aimerais que tu tiennes ta Bible partout. Parce que nous entrons en plein dans les Écritures. Père, je demande que tu nous ouvres les yeux de la compréhension. Fungula. Esprit d'abisso. Illumine notre esprit. Yako yambali lobanayo. Pour accueillir et recevoir. Et tikaite lobanayo et amener transformation. Et puisse ta parole amener la transformation. Total. Total. Na vie n'abisso na butu alelo. Dans nos vies ce soir. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Sambeli. Amen. Amen. Ce soir. Okolelo. Na intitulé matière nangai. J'ai intitulé mon message. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Biso to sikolami pete to chama pembeni. Et ça c'est la vérité car dengue yoki na répéter les sous. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Biso to sikolami to sombami pete to chama pembeni. Na linga ifsa yo. J'aimerais te dire. Ngonga to komi oyo. Le temps dans lequel nous sommes. Les angoga moko les plus importants na histoire ya église ya Yesu Masiya sur la terre. C'est un temps tellement important pour l'histoire de l'église de Christ sur la terre. Les angoga oyo église ya et kozala distingué parmi na mokili oyo. C'est le temps où l'église de Christ sera distinguée dans ce monde. Les angoga oyo zambi akosala différence.
entre ba oyo baza ya ye na ba oyo baza ba ya ye te. C'est le temps dans lequel Dieu fera la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent. Nous sommes rachetés pour être exemptés ngonga yango oy. Voilà pourquoi je dis aussi que l'ami peut être mis sur ton chama pembeni. Bien-aimé. Balandions. Pour les téléspectateurs. Quand nous parlons d'exemption. Donc tout solo de l'exemption. Tout solo bas. Namo mususu na français exclusion. Elingi kolobete o longwe na liboke ya batonyoso. Namo mususu exonération. Elingi pe koloba eloko komeli batonyoso yo e komeli yo. Je me rappelle biso yo toza na ba ONG Neti Dayo Samuel Foundation toza exonoré par exemple na impôt. So mo mususu exemption za exonération. Elingi kolobete eloko batonyoso bazoso par exemple pe na refuta mbongo. A un autre mot on peut dire immunité. On peut dire aussi épanouissement ou épanouir. Kozala épargner ko longwa libanda ya makambo. Kozala épanouir na eloko. Être épargné d'une chose. Eloko ekomi batioso ekokomela yo te. Ce qui arrive à tout le monde ne t'arrivera pas. Yango na eko yesa yo. Voilà pourquoi je viens te vous dire. Êtes racheté. Aussi que l'ami. Pour être exempté. Pour être bon chama pembe. Alléluia. Amen. Na français balobaka affranchi. Balobi okango lami. Dégager de quelque chose. Balomolio kilomo koboye. C'est ça le mot. Oyo to bengi exemption. Wanande to chama pembe. Nalina ibse yo yozo la nangai. Vous qui me suivez, sokyoza mwana nzambe. Si vous êtes enfant de Dieu, yoka. Écoutez. Exemption est a droit na yo. L'exemption c'est ton droit. Yango tozo kota na makomi. Voilà pourquoi nous entrons dans les écritures. Pour voir. Na 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Dans le premier livre de Pierre chapitre 2, il faut une langue na révélation que tozo ba na nzambe ba élu. Ba race de Dieu sur la terre. Bazali, comme ba race, il y a Lucifer. Bazali sur la terre. Nous sommes des races de Dieu. Nous devons être ivres de cette révélation qui est bisonnée. Bazali, bana ba kitani penza. Yanzambe. Yango bitumo yonyo sozo mona. C'est la raison de tous les défis que tu vois. Si tu ne l'as jamais appris, tout ce qui se passe maintenant, c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Être le ténèbre et la lumière. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. Lumière. La lumière. Maître et ténèbres. Et maître des ténèbres. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, version Darby. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. Vous êtes, alors vous êtes une race élue. Sacrificateur royal. Yes. Une nation sainte. Voilà. Un peuple acquis. Oh my God. Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Celui qui nous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pour annoncer. Bien-aimé, je viens te dire, vous a appartenu à cette race élue. Tu appartiens à cette race élue. Alléluia. Amen. Et l'exemption. Et exemption. Est notre droit. Les alliés droits en abisso. À tant que race de Dieu. Lokola bato ya nzambe. Yango. Voilà pourquoi. Aye. Il est venu. Atangisi makila na ye. Il a versé son sang. Pour na ko racheter biso. Pour nous racheter. Des ténèbres à la lumière. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Et ce soir, exemple. Nous allons voir des exemples dans les Saintes Écritures. Même église à Liboso. Même la première église. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Qui est symbole? Oezelembo. Oezo taille sa biso église Oezoya. Qui nous montrait l'église à venir aujourd'hui. Aujourd'hui. Église et Ancien Testament. L'église de l'Ancien Testament. Bamoni ba. Épidémie à dengue et à dengue. Ils ont vu nombreuses épidémies. Bah calamité à calamité à dengue à l'époque. Diverses calamités. En Égypte. En Égypte. Mais Bazalaki exempté.
exonoré, épanoué. Le Dieu n'a pas encore changé. Zambe wana nana bonganité. Azo yipsa na butalelo. Il te dit ce soir. Mwana nangai. Mon fils. Yebake. Sache. Oza racheté pour oza la exempté. Tu es racheté pour être exempté. Nanito kene na exemple ya liboso na Exode chapitre 8. Le premier exemple de chapitre 8. Alléluia. Exode chapitre 8 est un témoignage de l'exemption. Ezaline li tatolia exemption. Mona bana Israël église ya liboso bazalaki exempté na ba peste na ba fléau oyo epetaki à l'époque na Égypte bazalaki exempté totalement à 100%. Et le peuple d'Israël était exempté de tout fléau qui frappait en Égypte. Zambe a moni makamboyo. Tu as vu ces choses. A komi bilokoyo. Il a écrit ces choses. Pour servir biso. Pour nous servir. En tant que exemple. Exemple. Nous biso qui vivons otozobika à la fin de temps. Na tango ya suka. Selon 1 Corinthiens. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 10 verset 11. Verset 11. Na kolinga otanga pona ngai bongo to continue exemple parce que ce n'est pas tout le monde qui est habitué avec la parole de Dieu. J'ai analingi penza ekota. Tanga pona ngai seulement une fois 1 Corinthiens 10 verset 11 après to continue Exode 8. Hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 yes. Version Darby. Or toutes ces choses leur arrivèrent comme type. Alléluia. Et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. À nous que les fins des siècles ont atteint. Yangoyo. C'est ça. Et puis l'autre, on a eu ce que tu as dit. Et comment il peut servir de ce avertissement pour l'un des accords, surtout à ce moment de crise. Et toutes ces choses que nous allons lire sont été écrites pour nous servir d'exemple d'avertissement. Pour être à l'issue, balandi, aux autres, la nanga qui est bandi, les lotes, balali, pour ce que salama et batumoko, basala qui est exempté. Pour vous prouver que ce n'est pas la première fois, ça a déjà été fait, mais il y a de ces personnes qui ont été exemptées. Et j'aime la parole de Jésus dans Matthieu 24 à l'obé. Ce qui n'a abrégé mon coloté, je vais abréger, c'est-à-dire il est au contrôle. Et j'aime la parole de Christ, il a dit qu'il abrégera ses dons, sinon même les élus seront séduits. Exode 8, à partir de verset 1. Exode chapitre 8, verset 1er, version oui. Darby, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Yeah. Verset 2. Oui. Mais si tu refuses de les laisser aller, voici, je veux frapper des grenouilles toutes tes limites. Alléluia. Verset 3. Omoni. Makambo aboye omoni grenouille okomona ba sauterelle déjà na côté ba arabe kuna na yoki ke ba sauterelle ba bimi de milliers ba zipi mboka ba zipi biloko yonso verte ba lié kaka denge salami awa okotanga ngo na butu alelo salami me nazo ipsa na yonso dans tout cela ba oyo bazaya ye ce qui lui appartient bazala ki exempté bango ba longo exonoré bachama ki pembeni na tango wana en ce temps là le dieu d'exemption est encore vivant azana bomoy le dieu d'exemption est encore vivant zambe ya exemption azana no na bomoy alléluia verset 2 verset 2 mais si tu refuses de les laisser aller, voici, je veux frapper des grenouilles toutes tes limites. Verset 3. Oui. Et le fleuve fourmillera des grenouilles, et elles monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton lit, et dans la maison de tes serviteurs, et parmi ton peuple, et dans tes fours, et dans tes huches. Verset 4. Et les grenouilles monteront sur toi et sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Verset 5. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières et sur le fleuve et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Verset 6. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et verset 7, couvrir le pays d'Égypte et
Le devin firent de même par leurs enchantements et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Merci. Amen. Namlo bananu awavu nakoba nakendelibozo. Je commente un peu avant d'avancer. Dieu va rien faire ici sous terre sans instrument humain. Zamba kosala eloko mon côté na mokili ce qui a l'équipe. Zamba est à la base makambo ezo sale moyo. Dieu est à la base de tout ce qui se passe. Zamba permet yango. Dieu l'a permis. Parce que assis à prophétiser qui yango. Parce qu'il avait déjà annoncé que dans le fin de temps, na tango ya suka, il y aura beaucoup de signes. Bilembo ebele. Il y aura des pestes. Calamitos. Mais c'est ici le commencement des douleurs. Awa. Ici. Tokotanga na makambo ya salami mukolo. Ça fait 2-3 semaines na Arab kuna basotere bazipimboka. Nyoso wana esalami pe awa. Mais Zambia a utilisé instruments humains. So makambo ya salema awa na lingina yepsa yoke Zambia azasima a permettre ango. Et dans tout ce qui se passe, j'aimerais te dire, tel qu'il avait permis dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est à la base car il l'a permis. Oh, hallelujah. Amen. Tosote, tokei. Verset 10. Verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit, pour demain, et il dit, selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est comme l'Éternel notre Dieu. Voilà. 11. Et les grenouilles se retireront d'avec toi et de tes maisons, et d'avec tes serviteurs et d'avec ton peuple, et il en restera seulement dans le fleuve. Verset 12. Et Moïse et Aaron sortirent d'auprès du Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur le Pharaon. Parce que Pharaon a bandi ko senga miséricorde. So Moïse a zongé les zambé a gangi. Longola et lokoye. Verset 13. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse. Et les grenouilles moururent dans les maisons, dans le cours et dans le champ. Verset 14. Et on les amassa par monceaux et la terre devint puante. Alléluia. Continuez. 15. Verset 16. Verset 16. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Et elle deviendra des moustiques dans tout. Et l'Éternel dit à Moïse, dit Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre et elle deviendra des moustiques dans tous les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Tango a monique Pharaon a changé te, a endurci mutema na elisus. Zambia le veut que deuxième plaie, deuxième fléau. Ok. Continue papa. Verset 17. Et ils firent ainsi. Et Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre et elle devint de moustiques sur les hommes et sur le bête. Toute la poussière de la terre devint de moustiques dans tous les pays d'Égypte. Amen. Verset 18. Et les devins firent de même par leurs enchantements pour produire les moustiques, mais ils ne le purent. Et les moustiques furent sur les hommes et sur le bête. Verset 19. Et les devins dirent au Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Ok. Na lingui ba ke ce qui se passe ici. Les doigts ya Zambe. Lelo. Aujourd'hui. Bat musu ba kumiko bele la Zambe. Il y a de nombreuses personnes qui implorent l'Éternel. Qui implore la miséricorde de Dieu. Depuis tous ces temps, Matthieu a échangé Batouté. Les messages n'ont pas changé. Et comme il a changé Batou. Mais cette calamité change nos Batou. Bazo banga, baza traumatisé na corona oyo. Tellement que nan na monate. Nombreuses personnes sont traumatisées comme je n'ai pas encore vu. Continuez. Verset 19. Et les devins dirent au Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Et le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne les écouta point, comme avait dit l'Éternel. Alléluia. Akangi mutema toujours. Ok. Verset 20. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le Pharaon. Voici, il sortira vers l'eau et tu lui diras, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Voilà. 21. Car si tu ne les laisses pas aller mon peuple,
Voici, j'enverrai contre toi et contre tes serviteurs ouais. et contre ton peuple et ouais. dans tes maisons la mouche venimeuse. Voilà. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses et aussi le sol sur lequel ils sont. Aha. 22. Et je distinguerai en ces jours-là le pays de Goshen où se tient mon peuple en sorte que là, il n'y ait point de mouches venimeuses afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. C'est ça l'exemption. C'est ça l'exonération. Yes. Verset 22 encore Verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen où se tient mon peuple en sorte que là il n'y ait point de mouches venimeuses afin que tu saches que moi l'Éternel je suis au milieu du pays. Alléluia. Amen. Zambia lobi ango abetitolo. Amen. Pouéba ke nazana bukilioyo. Nazo au milieu du pays. Je suis au contrôle. Je viens prophétiser sur toi. 1000 peut tomber à ta gauche. Yes. 10 000 à ta droite. Amen. Mais tu ne seras pas atteint. Amen. Le Dieu de l'exemption est vivant. Et il est réel. Parce que les justes ne vivront pas sa propre foi. Il y a des exemptions. Et na kotio na lisi abatu bakuzala exempté. Na kombo na Yesu Masie. Voilà. Continuez verset 23. Verset 23. Et je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Moshalabayata. Ce signe sera pour toi. Oh matata la baya. Ce sera pour toi. Nayeko sako la likolo na yo. Zamenanga asa la distinction entre yo na baninga mususu. Tango ezozwa bango ekozwa yote. Tango bazo kufa yoko kufa te. Na kombo na Yesu Masie. Le Dieu là n'a pas encore changé. Zambe wana bomo ina no. Na kotaisa yo na makomi. Alors, je suis le Dieu de Jacob, je ne change pas. Alléluia. Amen. À ça l'exemption. Il a fait l'exemption. Alors, je vais faire la différence. Et à ça l'exemption. 25, 24. Verset 24. Mm. Et l'Éternel fit ainsi. So, le long de la cosa langote. Ndeko. Natinio, le long de la cosa langote. Akosala. Oh, oh, oh. Et l'Éternel fit ainsi. Et les mouches entrèrent en multitude dans la maison du Pharaon et dans la maison de ses serviteurs et dans tous les pays de l'Égypte. Le pays fut ruiné par la mouche venimeuse. Oh yes. 25. Yes. Et le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Et Moïse dit, verset 26, il n'est pas convenable de faire ainsi. Car nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens. Alléluia. Amen. So, Zambia sali bongo. Et mous venemous et koti nanda. Tina palais des rois. Tina ba serviteur. Moutou mokote a échappé. Mais ou woti ko yoka Zambia lobinini. Nako epanoué batunangaye. Nako sala exonération. Exclusion. Exemption. Yes. Amen. Ok, on a l'obéi, il faut tout le monde à ma camboy. Pour mon attaque, il n'a pas encore changé. Il n'a pas encore changé. Alléluia. Amen. Ce que l'ingina la kisayo, lui-même je suis le Dieu de Jacob d'Israël. Je ne change pas. Yes. Malachi 3, verset 6. Après tout, on lit Exode, chapitre 9. Malachi 3, verset 6. Malachi, chapitre 3, verset 6. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ, version Darby. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Oui. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Alléluia. Moi, l'Éternel, je ne fais comment? Je ne change pas. Amen. Selon Malachi 3, 6. Et aussi, Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13,
verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Oui. Ok. Amen. Le même hier. Dans l'Ancien Testament, tout en qui. Azad dernier moko. Lelo azad dernier moko. Libella na libella à cause d'un. Ce qui a épanoui Bango na tangoana. Si les épargnés en cet temps. Ancienne église. Ancienne église. Maintenant, église du Nouveau Testament, Bakozala épanoui. Église du Nouveau Testament sera épanoui. Yango na yeko sambe la ponaïo. Voilà pourquoi je viens prier pour vous. Na libéré onction de exemption de colonna bino. Je libère l'onction d'exemption sur vous. Ndako na yo, libota na yo, ekozala atteint. Ta maison, ta famille ne sera na pas atteinte. Au nom de Jésus. Tous ont lu Exode 9. Exode chapitre 9. À partir du verset 1. Verset 1er, j'ai lu au nom oui, de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Voilà. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mm-hmm. Verset 2. Car si tu refuses de les laisser aller, et que tu les retiennes encore, verset 3, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont au champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail, sur le menu bétail, il y aura une peste très grande. Verset 4, et l'Éternel distinguera entre le troupeau des Israélites et le troupeau des Égyptiens. Exemption. Exemption. C'est clair. Exemption. Il est l'Éternel, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, s'il a exempté Batumoko, Natangoana, l'élope, il va le faire encore. Amen. Yango Batunet, Bisotozana, Kimia. Moko na isengo na mutema nangai nazana kimia nazana kimia nazana isengo parce que mon temps de rédemption est tout près. Amen. Ok, verset 4 encore. Verset 4. Et l'Éternel distinguera entre le troupeau des Israélites, oui, et le troupeau des Égyptiens, uh-huh, et rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. Nabafleo yon souwana à mon côté et loco mon côté na nyama na bango na bango moko mon côté azala qui touché so makambo na zambe ya komina 191 ezapona ko flatter biso ka komi yango pamba alubi mi tombera à gauche 10 000 à droite mais tu ne seras pas atteint. Il n'y a rien de mauvais qui va venir auprès de ta maison. Bandeko te provoquer contre Manabiso. Que nous provoquions notre foi, que nous croyons. Parce qu'il sera fait selon ta foi. Et ce message est celui qui génère la foi en toi. Voilà pourquoi je dis ne craignez pas. Ne craignez pas la race élue. Tu es une race élue. Différent. Tu es différent. Alléluia. Amen. Voilà. Verset 5. Verset 5. Et l'Éternel assigna un temps, disant, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Okay. Verset 6. Oui. Et l'Éternel fit cela le lendemain, et tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Mais les troupeaux des fils d'Israël. Balobi quelqu'un. Non, Natuni Balobi quelqu'un. Non, non. Tous les troupeaux. Tout. Non, Yoka. Tous les. Bandela, verset 6. Et l'Éternel fit cela le lendemain, uh-huh, et tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Voilà. Mais des troupeaux de fils d'Israël, oh, macha, il n'a mouru pas une peste. Aïe, 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 aïe. L'obanini, exemption. Exception. Na symbolique ma boku nangai. Yes. Le Dieu qui a exempté à Tabanyama. Toi, koloba, yo, oh, yo, komi mwana na ye. A quoi exempté yo na tango yo. Na kombo na yesu masye. Amen. Continuez, verset 7. Verset 7. Oui. Et le Pharaon envoya, et voici, il n'y avait pas même une seule bête morte des troupeaux des Israélites. Ozoyoka, nous sommes rachetés pour être exemptés. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Oh yo! Continuez. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, uh-huh, et il ne laisse point aller le peuple. Okay. Verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez plein
vos mains des cendres de fournaise et que Moïse la répande vers le ciel, oui, devant les yeux du Pharaon. Uh-huh. 9. Et elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte. Voilà. Et elle deviendra sur les hommes, sur les bêtes, un ulcère faisant éruption en pustule dans tous les pays d'Égypte. Calamité aux hommes, ils sont salés. Dans les prophètes, ils sont salés. Je te le dis, ça arrive. Mais il y a des gens, ils seront exemptés. Il n'a pas écrit ces choses en vain. Il a écrit pour nous servir de référence. Ok, continuez. Verset 10. Et ils prirent de la cendre de fournaise et s'éteignirent devant le Pharaon. Ouais. Et Moïse la répandit vers les cieux. Et elle devint un ulcère faisant éruption en pustule sur les hommes et sur les bêtes. Alléluia. 11. Elle devint ne pure. C'était quand la Bible dit Moïse, les devins et Azoloba, les magiciens de Pharaon. Banganga. Yes. Continue. Et les devins ne purent se tenir devant Moïse à cause de l'ulcère. Car l'ulcère était sur les devins, oh, sur tous les Égyptiens. Oh, yes. 12. Et l'Éternel endurcit les cœurs du Pharaon et il ne les écouta pas comme l'Éternel avait dit à Moïse. 13. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Les dieux des Hébreux. Yes. Ok, continue. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. 14. Car cette fois, j'envoie toutes mes plaies dans ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est comme moi sur toute la terre. Uh-huh. 15. Car maintenant j'étendrai ma main et je frapperai de peste toi et ton peuple, et tu seras exterminé de dessus la terre. Alléluia. Amen. C'est ça qui arrive. Presque 60% ce qui n'est pas à l'exterminer. Mais yoka. Hein? Verset 16. Oui. Mais je te fais subsister pour ceci, afin de faire voir ma puissance. Et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. C'est ça. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié à ce moment. Amen. Il faut qu'il baye que Yesu Masia aza vivant. Et il est Dieu. Amen. Et c'est le temps. Alléluia. Verset 17. T'élèves-tu encore contre mon peuple pour ne pas les laisser aller? Voici, je ferai pleuvoir demain à 16 heures, une grêle très grosse telle qu'il n'y en a point eu en Égypte depuis le jour qu'elle a été fondée jusqu'à maintenant. 19. Et maintenant, envoie, fais mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce que tu as dans le champ, car la grêle tombera sur tout homme et sur toute bête, et qui se trouveront dans le champ et qu'on n'aura pas recueilli dans les maisons, ils mourront. 21, sautez. Verset 21. Et celui qui n'appliqua pas son cœur à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et ses troupeaux dans le champ. Voilà. 22. 23, sautez. Verset 23. Et Moïse étendit sa verge vers les cieux, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu s'est promené sur la terre. Uh-huh. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays de l'Égypte. Uh-huh. 24. Yoka. Et il y eut de la grêle et du feu entremêlé au milieu de la grêle, uh-huh, qui était très grosse, telle qu'il n'y en a pas eu dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. Merci. Continue, verset 25. Verset 25. Et la grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Voilà. Tous ceux qui étaient au champ, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi l'herbe du champ. Du champ. Et brisa tout
les arbres. Versis. Yoka exemption bandeko. Yoka exemption bandeko. Seulement dans le pays de Goshen. 26 Bandela. Seulement dans le pays de Goshen. 26 Bandela. Seulement dans le pays de Goshen. 26 Bandela. Seulement dans le pays de Goshen. Où étaient les fils d'Israël? Oh, ma il n'y eut point de grêle. Nasambeli bisika yo moi na zambe uzali. Na epane yo de tout mal. Na lobi tu ne seras pas atteint. Na libota na yo. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Amen. C'est le moment de yoka évangile à bout. C'est le moment d'entendre pareil. Pour aider ta foi. Tu dors en paix, tu te lèves en paix. Alléluia. Il y a des races que Dieu appelle son peuple. On Ils ont la marque de Christ sur eux. Alléluia. Maintenant, continuez. Verset 27. Oui. Et le Pharaon envoya et appela Moïse et Aaron et leur dit: j'ai péché cette fois. L'Éternel est juste. Et oh, moi, yes. Mon peuple, nous sommes méchants. Alléluia. Voilà. Verset 28. Suppliez l'Éternel et que ce soit assez de tonnerre de Dieu et de la grêle, et je vous laisserai aller et vous ne resterez pas davantage. Alléluia. 29. Et Moïse lui dit: quand je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Est à l'Éternel. Lui au contrôle. Toi, tu as la bise de ça, la yose ton lingi. Et ça, c'est qu'à perdre le contrôle. Il est au contrôle. Il est le créateur. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Miséricorde, appelle ce temps. La repentance. Mais toujours, Koubaka, Namabe, maintenant, colère et Azamepe et Télém. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, chapitre 10. Parce que Yasuka Yangwana. Yes. Ok. Exode chapitre 10, verset 1. Abadi Abassin. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, papa. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le Pharaon. Oh, yes. Car j'ai endurci son cœur. Oh, yes. Et le cœur de ses serviteurs. Oh, yes. Afin que je mette ses miens signes au milieu d'eux. Uh-huh. Verset 2. Et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils ce que j'ai accompli en Égypte. Alléluia. Et mes signes que j'ai opérés au milieu d'eux. Alléluia. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Si. Na lingna c'est ok. Zambe aza na contrôle. Dieu est au contrôle. Zambe aza na contrôle. Dieu est au contrôle. Alobi, Yesu a prophétisé, alobi, il faut que tout arrive. Alobi, Seigneur, tenions soane salem. Mais ne soyez pas troublés. Ce n'est que le commencement. La fin n'est pas encore. Après Oyobozo, ils ont l'ingsabatuyonso. Après ceci qui le pire vient encore. Oya ma belle Zoya. Je te dis le pire vient. Oya ma belle ma casse Zoya. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Nalingi, tu continues de sauter verset 4. Verset 4 de Exode chapitre 10, j'ai lu au nom de Jésus. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je veux faire venir demain des sauterelles dans tes confins. Verset 5, et elles couvriront la face de la terre. Alléluia. De sorte qu'on ne pourra pas voir la terre, et elles mangeront le reste qui est échappé, que la grêle vous a laissé. Au moins, il m'a commencé à sauterelle. Omoni, bande koyo soye bazo la nanga bazo benga zela mwa muke tango na ko silisa de na ko lancer bokoko benga mais maintenant tozana no koyo kalilo bazabe zambia pa bola bino oyo ki makama sostere vous avez entendu oh to uti koyo ka savi 2 3 semaines so ki ozola na information e koti na bamboka ba pays moko arabe e ba milliers de sauterelles oyo bi ke salami awa mais na yebisa ki ke exemption e salami. Et comment quitter ici Kabana Zambé Bazali. Continuez. Je réponds le verset 4. Car
si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je veux faire venir demain des sauterelles dans tes confins. 5. Et elles couvriront la face de la terre, de sorte qu'on ne pourra pas voir la terre, et elles mangeront les restes qui est échappé, que la grêle vous a laissé, et elles mangeront tout arbre qui croît dans vos champs. Verset 6. Et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens. Ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre jusqu'à ce jour. Okay. Et il se tourna et sortit de près du Pharaon. Verset 7. Oui. Et les serviteurs du Pharaon lui dirent, jusqu'à quand celui-ci sera-t-il pour nous un piège? Voilà. Laisse aller ces hommes et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est ruinée? Voilà. Verset 8. Notre sauté, verset 13. Verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Uh-huh. Et l'Éternel amena sur le pays un vent d'Orient. Voilà. Tous ces jours-là et toute la nuit. Le matin arriva et le vent d'Orient apporta les sauterelles. 14. Et les sauterelles montèrent sur tous les pays d'Égypte et se posèrent dans tous les confins de l'Égypte. Un fléau terrible. Avant, elle n'y avait point eu de sauterelles semblables. Alléluia. Et après, il n'y en aura point de pareil. 15. Et elles couvrirent la face de tout le pays. Le pays fut obscurci. Et elles mangèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres que la grêle avait laissés. Et il ne demeura de reste aucune verdure aux arbres ni à l'herbe de champ dans tous les pays d'Égypte. Maintenant sautez, verset 30-21. Verset 21. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres, et on touchera de la main les ténèbres. Amen. On m'en sauterait les cils. Après la sauterelle. Et puis, mais mais le peuple de Dieu était toujours dans ténèbres. Les ténèbres. Continuez. Verset 22. On a dit que la plaie, la épidémie, la peste, ils ont sauté, mais ils ont exempté. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est exempté, c'est exempté. Amen. Voilà. Continuez. Verset 22. Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. Verset 23. Et on ne se voyait pas l'un l'autre, et nul s'éleva du lieu où il était pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais yoka. Mais. Pour tous les fils d'Israël. Mais pour tous les fils d'Israël. Encore. Mais pour tous les fils d'Israël. Mais encore. Mais pour tous les fils d'Israël. Il y eut de la lumière dans leurs habitations. Alléluia. Amen. Naye ko sakola likolo na yo. Eloko ebomi ba voisin na yo ekoboma yote. Amen. Eloko ebomi baninga ekoboma yote. Amen. Il y a exemption. Exemption. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Aussi que l'ami poto chama pembe. Na lingi to sili sa buta le longo nga ngai kei to kenena na. To continue matea oyo exemption pendant toutes ces semaines. Nous allons continuer dimanche aussi. Nous allons continuer même matea. So yozo la nabiso zala brancher na cute nabiso dimanche. Alléluia. Amen. Amen. Mercredi aussi. Na vendredi. Alléluia. Amen. OK. Na lingi otanga pona ngai somme no nantien verset 10. Na sukisi wana. Somme chapitre 91 verset 10. Oui. Je lis la version d'Arbi au nom de Jésus-Christ. Aucun mal ne t'arrivera. Oui. Et aucune plaie n'approchera de ta tente. Alléluia. Nani a yoki makambo wa? Qui a entendu ces choses? Nani a yoki makambo wa? Qui a entendu ces choses? Bandela papa. Verset 10. Olukanga baba sion mususu. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Oui. Et aucune plaie n'approchera de ta tente. Oyoki? Yes. Akomi makambo wa naka apona kokoma. Jamais. Non non. Akomi ango po servir biso en tant que référence, exemple.
Surtout nous, vivre la fin du temps. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir. Attends, il faut que nous 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 parce que là où il y a la foi, il n'y a pas de peur. Là où il y a le paix, la paix, il n'y a pas de foi. So, on a besoin de messages, il y a condiment. Pas message yako bank sa mokili. Alléluia. Amen. Voilà. Tanga pour la version Moussous. Lingala yalelo. Psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10, version Lingala yalelo. Oui, oui. Pas si mon côté est kozoyo. Ma pe mon côté est kokwe la dako na yo. Oh, mashallah, ya tebe debe. Pas si mon côté est kozoyo. Ma pe mon côté est kozoyo. Nini kokwe la dako na yo. Parce que vous êtes exempté. Alléluia. Amen. Vous êtes exempté. Alléluia. Amen. Uh-huh. Version parole de vie. Aucun mal ne peut te toucher. Oh yeah. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Voilà. Yes. Aucun mal. Oyo tozo benga corona oyo. Eza mal moko malé moko ikomeli moki. Mais ça va l'obéir. Aucun mal va te toucher. Yes. Parce que c'est le temps de l'accomplissement des paroles prophétiques. Je vous avais dit. Jésus avait dit dans Matthieu 24. Jésus avait dit dans Matthieu 24. Alors, toutes ces choses vont arriver. Doit arriver. Mais ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Voilà. Il savait que toutes ces choses arriveront. Je viens encourager votre foi. Dieu m'a envoyé te dire. Ne crains rien. Avant de clôturer. Avant de révélation mon copain. Que je donne une révélation pour vous. Qui Dieu a utilisé? Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Dengi moko ba Moïse moko Aaron moko baza quelque part oyo baza à la base ya ba fléo. Dès qu'il y a des certains Moïse et Aaron qui sont à la base. Aïe 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 aïe. Oko ki ko mona ba ngoma mais yeba ke Zambe aza au contrôle. Sache que Dieu est au contrôle. Ba ko lo baza Aaron. On peut dire aux banani. Mais Ezaï Loko est déjà préparé. To yebi ango na ba laboratoire. Zaba Moïse na denge mususu. Mais Dieu est au contrôle. Il y a des gens oyo bakozala exempté. Ezana bato oyo bakochama pembeni. Le ciel appartient à Dieu. L'olezé Nzambe. Et la terre il a donné au fils de l'homme. Mabele apesa na bana na bato. Bandeko. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, Dieu ne fera rien sur terre, ce qui a sa il y a des choses Dieu permet. Parce qu'il faut car il faut que sa parole s'accomplisse coûte que coûte. Alléluia. Amen. Il a permis que Joseph na prison. Parce qu'il a dit que quand il est en prison, il faut écouter un homme ou deux. A quoi tapter d'autres naïe, à cause de Pembeni à roi, tant qu'on a Pembeni à roi, rappe à Colota, on a quoi naïbi mouko na prison, aïebi quoi tapter, rap l'obé yaka, et tapter naïe. So, prophétie à Zambé pour Joseph, et kokisama, et tant qu'on a tapter d'autres ya roi, abi nanamoni moutimoko na esprit moko, unique na si amou netiote, yaka okonza mboka mobiba, sauf moi et ma maison, mais na pesio. Autorité kokozamboka so biloko wana Zambe a permettre ango pour prophétie naye ekokisama et Yesu alobi toutes ces choses doivent arriver yo nani ostopé ango qui es-tu pour stopper sa parole? On peut seulement prier pour l'exemption. Ça doit arriver. Ça ce n'est que le commencement. Le pire va venir après cela. Mais je viens t'annoncer. Tu ne seras pas atteint. Yo ekokwe la yote. In the name of Jesus. Bisikoza na lingito kota na kati ya adoration. En tout Dieu, j'aimerais que nous entrions dans l'adoration. Que après na sambeli pona bino. Après je vais prier pour. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que votre foi est édifiée. J'espère que Dieu nous a rachetés pour
pour nous exempter de toutes ces choses. J'espère que vous croyez que Nzamba sikoli biso pona rocha biso pembeni. Tu es racheté pour être exempté, être honoré, épanoui. Alléluia. Vous qui me suivez, vous êtes touchés par ce message ce soir. Si ton cœur a été touché par ce message, j'aimerais que ce soit que tu reviennes à ton Créateur. Partout où tu es, et que tu n'as pas encore reçu, même si tu ne me suis pas live, après. Même si tu vas me suivre après, sache que c'est ton heure pour suivre. J'aimerais que tu baisses ta tête. Que tu répètes cette parole après moi. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Nayoki yo.
J'étais entendu. Je suis touché par ta parole. J'étais entendu. Que tu nous as racheté biso. Que tu nous as racheté. Pour na ko fe biso exemption. Pour na ko tcha biso pembeni. Lelo. Selon ma teya ya liloba na yo na yo kina butwale. Selon ta parole que j'ai entendu. Na nina ko ma moko ya ba racheteur. J'aimerais devenir un moko des racheteurs. Un de ceux que tu as racheté. Voilà pourquoi je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. J'abandonne toute mauvaise voie. À partir de maintenant, je prends Je te reçois dans mon cœur. Dans ma vie. Et na déclaré. Je déclare. Du plus profond de mon cœur. Que je suis devenu enfant de Dieu. Cette vie passée, je l'abandonne. Je reçois la grâce de marcher dans cette nouvelle vie. Attaque moi dans comme enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la maquila na yo. Pour ton sommeil. Que tu as versé à la croix. Pour me purifier. Merci papa. Merci Père. Nantimilelo. Je crois que na comme moi dans que je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci pour na bande ko yo so bayambio. Merci pour tous ceux qui ont cru en toi. Na déclaré, je déclare vie yasika, makambo yasika. Une nouvelle vie et des nouvelles choses. Et na déclaré, à partir de maintenant, je déclare, tu deviens enfant de les Dieu. Les choses anciennes sont passées. Kale, tout est devenu nouvelle. Et na sambeli pona bino, je prie pour Yamangolo, reçois la grâce de marcher na vie yasika, oyo. Dans cette nouvelle na vie. Nouvelle vie oyo. Na bomo yasika. Na kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Nos amis, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, amen. Pour tous ceux qui me suivent, j'aimerais prier pour vous tous. Ça, c'était pour le salut. J'aimerais que tu aies tes mains. Je ne sais pas ton cas. N'habitez les Cambonayo. A tous obéir la corona. Même si tu souffres du corona. A tous obéir la maladie nini. Quelle que soit la maladie. Cancer. Cancer. N'importe quoi. Adesani. Je suis ici pour te dire. Yesu Masia azo pikisa yo kakasiko. Jésus-Christ te guérit maintenant. Yesu Masia azo kangola yo kakasiko. Il te délivre maintenant. Je pose mes mains sur la télé. Na cheli boko na ngai na TV. Sur l'écran. Na écran. Bisika yo sozola na ngai. Partout tu me suis. Imposé ma boko na yo na loboko. Enguya zambe zo traversé. La puissance de Dieu te traverse. Dès que, imposé ma boko, dès que tu imposes la main na ma boko, sur ses mains, na déclaré, je déclare que la puissance du Saint-Esprit te traverse et pénètre dans ton corps. Na lobeli maladie yonso, j'ordonne à toute maladie, passe yonso, à toute douleur, corona yonso, à tout corona, et disparaître disparaît. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Il est écrit et ami, à son nom na tout genou fléchi dans l'obéli toute oppression. Je m'adresse à toute satanique diabolique, toute fléau diabolique, et disparaître au nom de Jésus. Et ça disparaît. Na déclaré au Bikisami au Kangola. Je déclare, tu es guéri et délivré. Nguya Zambe. Écoute la yon en soto. Pénètre ton corps. Na minute oyo. Maintenant. Et na déclaré. Je déclare. Yon sou corps étranger. Tout corps étranger. Et disparaît. Il disparaît. Na déclaré bo Bikisami. Vous êtes guéri. Bo Kangolami. Délivré. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na tanga maladi na yo. Que je suis ta maladie. Na tanga yangote. Ou non. O Bikisami o Kangolami. Tu es guéri et délivré. Na lobi o Bikisami o Kangolami. Je dis tu es guéri et délivré. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, to sambeli. Amen. Ce qui vous a un témoignage, vous avez un témoignage. Benga bisona numéro ezo sala affiché numéro ya contact. Appelez-nous par le numéro qui est affiché. Ba komi ango contact. Ba numéro mususu wana eza yango te. Oyo ba komi contact. Wana ndio koko benga partager biso témoignage na yo. Tinda numéro na yo. Tinda même vidéo na voice. Copé sa témoignage pour mon qu'il baille et baguette et zaïo. Ce bel m'a contacté ou peut pas vérifier ce qu'il a solo. Yo moko ou quoi expliquer bango. Zambé à Pambo la bino. Au salaté, cute nabiso dimanche. Na 7h. Na kuzela aussi en live. Red Vision na 8h. Et na 9h, na 10h, na 11h. Zala branché. Restez.
tous les jours de notre culte. Culte. Et à la vendredi. Et ça le vendredi. Et à la mercredi. Et ça mercredi. Et à la dimanche. Même dimanche. Nous sommes en live. Pour partager et longona bino surtout pour encourager konimana bino na tango oyo tokomi. Pour encourager votre force et tant. Yango na sala connecté et branché. Soyez connectés et branchés. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola. Alléluia. Likolo nase umabela yo yozambe yozambe nanguya Bandeko tokutana na prochaine émission live na samedi. Que Dieu vous bénisse. Na 20 zala connecté. Que Dieu vous bénisse.